J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de l'Instant Victoria. Et aujourd'hui je vais vous parler d'un seul produit qui va être un produit bio. Ça m'a été pas mal demandé sur les réseaux sociaux. Ouais, j'ai dû un peu départager avec le thème de la première vidéo que je vous remettrai en barre d'infos. Donc oui, aujourd'hui on parle de beauté et on parle surtout de beauté bio. Donc le produit que j'ai à vous montrer aujourd'hui c'est celui-ci. Donc c'est une huile sèche qui est multi-usage et qui provient de la marque Tan Organic. Donc si vous suivez la plupart de mes vidéos, vous avez sans doute déjà entendu parler de cette marque, puisque c'est une marque que j'utilise beaucoup en ce moment. Voilà, et en ce moment le produit qui m'a le plus marqué c'est leur huile. Tout simplement parce que si vous le savez aussi, j'adore utiliser les huiles végétales pour soigner ma peau le plus naturellement possible. Et donc j'ai été ravie de tester celle-ci qui, je l'avoue, est absolument sublime. Donc c'est pour ça que je voulais la partager avec vous. Donc d'abord, la première chose à savoir sur l'huile de Tan Organic, c'est qu'elle est complètement bio, naturelle et certifiée COSER, puisque je sais que c'est vraiment quelque chose qui peut compter pour vous. Enfin, si vous faites vraiment attention et que vous avez une routine soin très axée sur le naturel, c'est important que je le mentionne et ça peut vous donner des idées de test aussi. Et cette huile a pour particularité de comporter justement dans la composition 8 huiles, c'est un petit peu dur à dire, végétales différentes. Donc j'en ai noté quelques-unes, donc les principales qu'on connaît: l'argan, bourrache, aloe vera, avocat, coco, amande, jojoba, macadamia et olive, et quelques-unes autres encore que je ne vous ai pas citées, mais c'est vraiment celle qu'on connaît le mieux. Donc c'est vraiment un bon cocktail de plein de bonnes choses pour la peau. C'est surtout une huile qui est hyper riche en antioxydants, donc ça va vraiment la protéger, la nourrir, l'hydrater, la rendre beaucoup plus douce, beaucoup plus élastique et juste plus belle tout simplement. Et surtout, si vous tenez à avoir un beau bronzage, il est très important de justement s'hydrater la peau après l'exposition pour conserver votre beau bronzage doré. Et c'est un produit qui va vraiment aider à ça. Si vous l'appliquez vraiment quasiment tous les jours, ou en tout cas après l'exposition au soleil, ça va vraiment vous aider. Et je sais pas pour vous, mais moi c'est vraiment toujours quelque chose que auquel je fais très attention, c'est de prolonger mon bronzage au maximum. Parce qu'il n'y a rien de plus chouette que de revenir en cours ou revenir au boulot après les vacances avec un beau bronzage. Je trouve ça juste trop chouette. Et donc ça c'est vraiment une bonne astuce à utiliser. Et donc comme l'indique son titre, c'est une huile qui est multi-usage. Donc c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser sur la peau, donc la peau de tout le corps, du visage, mais pas que. Vous pouvez aussi par exemple l'utiliser sur vos mains, donc juste pour vous hydrater les mains, ou aussi sur vos ongles si vous avez les cuticules sèches par exemple, ça peut être un très bon soin aussi. Et aussi si comme moi vous faites quasiment tout le temps des bains d'huile, moi c'est ce que j'utilise en ce moment. J'utilisais que de l'eau de coco, mais en ce moment j'utilise celle-ci. Voilà, je m'en mets un peu plein dans les cheveux avant de me les laver, et c'est vrai que ça me les laisse tout doux et très brillants, donc c'est un bon point. Et aussi je voulais vous dire qu'une de ses particularités c'est de traiter les cicatrices et aussi les vergetures. Donc si vous êtes une personne qui est sujette à ces petits soucis là sur la peau, si vous prenez de l'huile et que vous massez bien les parties concernées, ça peut aussi vous aider tout simplement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur cette huile. C'est vrai que les huiles on en trouve énormément, c'est assez populaire sur le marché des cosmétiques depuis quelques années, mais c'est vrai que c'est quand même mieux d'en utiliser de préférence naturelle. Et si vous en trouvez plein d'accord en supermarché, mais c'est peut-être pas celles qui vont le mieux fonctionner, parce qu'en général celles de supermarché, il y a quelques pourcentages infimes d'huile végétale et le reste c'est que des cochonneries. Donc voilà, si vous voulez vraiment quelque chose où vous êtes sûr que ça va marcher, peut-être préférer ce type de produit là. Donc en tout cas je vous mettrai le lien pour l'acheter dans la barre d'infos, ainsi que le prix, les références, etc. Si jamais ça vous tente de tester aussi. Donc voilà, j'ai fait le tour pour ce petit produit, j'espère que ça vous aura intéressé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye.